J'ai pas trouvé de titre à la palette, t'as 1 minute 30 pour en trouver un, Jackie. Non, mais alors, effectivement, on a écouté les... Very nice, very nice. Non, on a écouté les propos de Philippe. Alors, on m'a dit de regarder la une, voilà. Quand je vous parle à vous, c'est la une. Évidemment, étape difficile, beaucoup de montées, mais aujourd'hui, j'aimerais vous montrer un petit peu les descentes, parce que il faudra pas être qu'un bon grimpeur aujourd'hui pour gagner l'étape, il faudra être un excellent technicien, et je vais vous expliquer pourquoi, puisqu'on va déjà aller dans la descente de la Colmiane, et on le voit sur cette carte, donc on aura basculé ici, à la descente de la Colmiane, voilà, et regardez tous ces virages. C'est le Turini, ça. Colmiane, tu me mets le doute, toi. Eh non, Turini, descente du Turini. Ils sont allés voir celui-là. En tout cas, descente très, très technique. C'est vrai ou c'est pas vrai, Jacques? Arrête. Oui. Descente très, très technique. Donc, du Turini, on le voit, tous ces virages. On va même zoomer un petit peu. Voilà, regardez, hein, ça tournicote sans arrêt. Et d'ailleurs, j'ai enregistré une petite vue pour vous rendre compte un petit peu de commencer cette descente. Bah, regardez, hein. C'est très, très sinueux. On va ici prendre à droite le freinage. Il y a des petits parapets. Il faudra être très prudent. Donc, une première descente où on pourrait voir éventuellement des premières offensives pour ceux de l'échapper. Et ensuite, on va aller sur la deuxième descente. Celle de la Colmiane. Celle de la Colmiane, qui est un petit peu moins technique que la descente du Turini. Mais malgré tout, regardez, on zoome un petit peu dessus. Ben voilà, hein, c'est quand même tournicotant, pas mal d'épingles, etc. pour aller chercher le pied directement de la Couillole. Et là, c'est pareil, ben, on va voir une petite vue de cette descente. Ben regardez, hein, c'est des enfilades. Ça paye pas de mine, mais quand vous êtes coureur, vous êtes à plus de 70-80 km/h. La chance qu'on a, c'est que les coureurs habitent sur Nice, viennent souvent rouler ici. Ce qu'on le voit, ces petites routes, et c'est bien tranquille. Et la dernière montée, bah, la montée de la Couillole. Le dernier col du Tour de France en peloton, parce que demain, il y en aura encore un. Et cette montée de la Couillole, bah, c'est pareil. Hein. On la connaît plutôt bien. Pareil, petite route, mais un petit peu moins sinueuse que toutes ces descentes. On aura un final hein, sur trois derniers kilomètres dans la même direction. Et surtout, bah, regardez la différence avec les autres routes. Ce sera un tout petit peu plus large. Non, 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 c'est pas large du tout. Il faudra être malin, il faudra être placé et il faudra avoir la bonne patte pour aujourd'hui. Donc, étape Vérinis, Guigui, je valide. Merci Steve. Par contre, il va falloir manger. Vous êtes affûté ou vous nagez dans votre pantalon là? Je peux pas raconter pourquoi. Parce que Steve est arrivé en short. Il est arrivé en short ce matin. Il pensait avoir pris un pantalon. Il ne l'a pas. On remercie notre responsable d'édition qui habille également les consultants, Thomas oui, Coupé. Qui lui est en short. Qui lui est en short en régie. Et il a un peu froid parce qu'en régie, il fait pas chaud et donc du coup, il se retrouve en short. Merci Thomas. Si tu veux des lunettes, Thomas.